Impossible de laisser partir nos trois invités sans les questionner sur leur dernière découverte. Voici donc les coups de cœur d'Anne Casabonne, d'Anne-Marie Cadieux et de Julie Le Breton. Louis-Jean Cormier, son dernier album. Ben, en fait, son premier album solo. Il est extraordinaire, ouais, j'écoute en boucle. Ça, puis le dernier album de Grizzly Bear. OK, c'est tout. Ben, moi, c'est Yann Perrault qui m'a donné son album hier. Fait que j'ai... De Louis-Jean? Oui. Non, de Yann Perrault, ben oui. Mais moi, c'est ça que j'étais en train de découvrir. Là, ben oui, puis parlant de Marie-Pierre Arthur, son album est fantastique. Puis c'est quoi le groupe de Stéphane Lafleur? Comment il s'appelle? Avec Podcast. Avec Podcast. De linge? Oui. Ben, jeune fille qui habite à Montréal, Anastasia Lomonova, qui fait des robes fantastiques. Je la connais. Oui, ben justement. Ça m'irait bien, tu penses? Moi, ça fait un bout que je l'ai lu, mais je trouve que c'est un magnifique petit... Ben, pas petit, mais c'est une petite plaquette, en fait. Ça se lit en quelques heures. L'homme blanc de Perrine Leblanc. Ah, je l'ai pas lu, ça. C'est vraiment très, très beau. On dirait qu'elle a écrit ça dans un autre temps, je sais pas. Elle est comme pluguée sur quelque chose d'autre, cette fille-là, je pense. Elle a bon sens. Vous autres, vous lisez des livres magiques. Moi, je lis vraiment des livres plates. Non, elle est super calée. Je sais ce que tu veux dire. Oui, j'ai lu Les délocalisations de Rick Laurent. J'ai lu La fin du dollar de Miradizaki. J'ai lu... Oui, je vais... Full économie. Oui. Non, mais ce que je trouve ça important de lire ce genre d'ouvrage-là, juste pour savoir dans quel système on est. J'ai lu plein d'affaires plates de même, là. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette année à Radio-Canada Unité 9. Je trouve ça vraiment très bon. Ouais. Moi, je ne l'ai pas écouté. Moi, j'ai aucunement écouté rien, là. J'écoute juste mes affaires d'économie. Ben poche! Lâche RDI économie, là. Non, mais oui, même Unité 9, je trouve que c'est vraiment très bon. C'est très bien joué, puis c'est un univers... Tu sais, c'est le fun parce que la série commence, puis tu te dis, waouh, ils peuvent aller dans plein de zones. Ça peut durer très longtemps, puis rester très intéressant. En tout cas, je le souhaite. Ouais.